Pépé ? Pépé ? Tu dors pas, Pépé ? Pépé, on s'est fait voler les clopes et le pinard. Et ce délire, on nous a cambriolé la Cinq Camille pendant la nuit. Par contre, les salopards, ils ont pas pris la flotte. Eh ouais, ils savaient ce qu'ils voulaient. Tout ceci est bien sûr une mise en scène mise en avant par mes talents d'acteur, tout simplement pour vous dire que ma sauvegarde a planté, en fait. Et bah c'est bien con. Mais j'ai une bouteille de flotte, quand même. Mais ! Eh ouais, il y a un mais ! Faut pas déconner, quand même. Regardez ça, je suis reparti. Mais mon vieux, c'est que j'ai carrément réussi à foutre 3 roues de secours dans le coffre. T'y crois, ça ? Bah je peux te dire que si je revends ça, on va se faire du fric à mort. Et on va pouvoir en racheter des clopes et du pinard. Et faire la fête avec Pépé. Hein, Pépé ? Il t'en dit ? Hein ? Il a dit oui. Eh bah c'est pas mal. Bon alors, je sais carrément pas comment que ça tient, mais du coup, il y a une roue en bas. En fait, il y a 3 roues de secours dans le coffre. C'est super bizarre. Attends, 3 ou 4 ? Putain, je crois bien qu'il y en a 4. J'en sais rien, en fait. Bon, du coup, on est parti sur les routes avec Pépé. On est reparti pour nos vacances. J'ai vu que vous avez bien aimé le premier épisode. Et franchement, c'est bien cool parce que moi, j'aime bien le jeu. Et je me suis dit, bah tiens, je vais vous représenter un autre épisode de Jalopy. Ça va être bien cool. Allez, Pépé, allume de la musique un peu, là. C'est parti, mon vieux. Fais péter. Elle est pas mal la musique, franchement elle est bien. Moi j'aime bien. Ils sont bien déchirés sur la bande son dans Jalopy, franchement. GG. Pépé, regarde ça, on est parti avec le plat, on a déjà presque plus d'essence, mon vieux. Comment qu'elle pompe la Cinq Camille? Mon vieux. Pépé, accroche-toi, on arrive au rond-point. Et tu sais qu'ici, le rond-point, il est souvent meurtrier. On va y aller. Ouh putain, gars, il y a la bouteille d'eau qui m'est passée devant. Normal. Du coup, je vois rien. Si tu pouvais. Tiens, vas-y, va avec Pépé. J'ai laissé le coffre ouvert de la Cinq Camille, moi. Ce délire. Bah, j'ai carrément laissé le coffre ouvert. Bah, Pépé, t'as pas vu que j'avais laissé le coffre ouvert? Ce délire, j'ai rien perdu? Non, c'est bon. Tout va bien. RS, j'ai rien perdu. Salut, collègue. Il est passé devant moi. Allez, on va y aller tranquillement. Vas-y. Oh, j'ai l'impression qu'à peine a démarré des fois. Fais péter les phares. Et on est parti. Merde. Non, fais péter, vas-y. Et on est parti, let's go. Allez hop. Avanti. Il est bien fait ce petit rond-point avec le tank. C'est dingue, franchement, à la vitesse à laquelle l'essence elle descend. J'ai l'impression d'avoir niqué la moitié de mon plein juste dans le rond-point, quoi. C'est un truc de malade. Alors par contre, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires. Je sais plus qui c'est qui me l'a dit. Mais la dernière fois, je m'étais arrêté sur le bord. Oui, il va falloir qu'on s'arrête dormir un petit coup, qui me dit. Ce serait bien qu'on s'arrête à l'hôtel, pourquoi pas. Et il dit, mais attends, t'es sûr qu'il y a encore de l'essence dans la bagnole? Bah, j'ai dit que non. Bah non, bah t'as raison, Pépé, mon vieux. Bah, c'est clair qu'elle consomme, il a raison. Bref, la dernière fois, je me suis arrêté sur le bord de la route pour fouiller une voiture. J'avais fouillé dans le moteur, j'avais fouillé dans le coffre, j'avais fouillé un peu partout et j'avais rien trouvé. Mais du coup apparemment c'est parce que j'ai pas été chanceux. Parce que du coup des fois on peut trouver des trucs dans les bagnoles. J'espère quand même trouver quelque chose. Oh putain, la bouteille de flotte. T'as soif, Pépé? Non? Oh putain, ferme la. Oui, bah excuse-moi, il me dit que ça fait des courants d'air. Bah ferme la porte, j'ai pas fait exprès, mon vieux. Désolé. Je voulais cliquer sur lui pour voir s'il avait soif et j'ai ouvert la porte, moi. Bon, Pépé, j'ai ma peu la radio, hein. Musique, hein. Ah, bah, elle est pas mal, celle-là. J'aime bien, moi. Il danse, Pépé, là? Regardez. Il danse. Oh, putain! Je vais me manger la rambarde. Moi aussi, je vais danser tout à l'heure. Ça va me faire bizarre. Bon, c'est bizarre, j'ai l'impression. Salut, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ça bougeonne pourtant pas, ça vous roulez pas. Alors, y a pas un klaxon là-dessus? Mais non, mon vieux, je sais pas où il est. Ouais, j'ai l'impression que la route elle est plus longue que la dernière fois. Non? Ouh, bah dis donc, bah, c'est le convoi à l'autre côté, mon vieux. Ouh, toi tu fumes blanc. Ça, c'est un joint de culasse. Oh putain, mon vieux! Eh, bah ce délire! Ça roule de l'autre côté, hein. Bon, Pépé, éteins-moi cette musique de sourd là. Hein? Ça va bien 5 minutes. J'ai la bouteille de flotte qui me gêne un peu. Bon, ça m'agace. Pépé, écoute, ce que je vais faire. Oui, il me dit que tu devrais ranger la bouteille de flotte dans le coffre. Et il me demande si ça me gêne pas la vue. Bah justement, j'y réponds que si. Donc, ce qu'on va faire, Pépé, c'est que je vais aller ranger la voiture dans le coffre. La bouteille d'eau dans le coffre. Qu'est-ce que je raconte? Bon bah écoute, putain, il y a plus de place dans le coffre.
Je suis quand même pas abandonné une roue de secours, non? Bon bah écoutez, c'est pas grave, hein. On va la rentrer avec nous, hein. Merde, c'est con ça. Je vais essayer de la mettre de telle manière, est-ce qu'elle me gêne pas? Tiens, prends-la avec toi, Pépé. Prends ça. Allez, c'est parti, mon vieux. Aventi. Frein à main. Hop là, let's go. Qu'est-ce qu'il y a, toi, là-bas, là? Alors, t'as un problème? Salopard, va. Merde. La bouteille d'eau. Putain, mais c'est de sa faute à lui, là-bas. Bah oui, il me dit. Fais attention, qu'il me dit. Bah oui. Mais c'est de sa faute à l'autre, là-bas, putain. Il est malade. Bougez pas, on va le rattraper. On va le rattraper. Je vais faire une queue de poisson direct à lui. Il va rien comprendre. Putain, comment qu'elle pompe la Sincamine, mon vieux? J'ai presque plus d'essence. Et oui, il va falloir qu'on s'arrête à une station essence, qu'il me dit. Bah oui. Ouais, oui, bah oui, je sais bien. Va falloir qu'on fasse le plein, tu m'étonnes, mon vieux. Ah bah, je peux te dire que c'est pas un V12, la Sincamine, mais... Hein? Elle suce, comme on dit dans le jargon, hein. Elle fait pas semblant, hein. Hein, la Sincamine, mon vieux, c'est du 50 litres au 100, mon vieux. Ouh, j'ai l'impression qu'elle a un problème, la bagnole, là. On n'avance pas bien. Non? On va s'arrêter à la prochaine ville et je vais réparer un peu la bagnole, parce que... Il est quelle heure, là? Il est 11h. Oui, tranquillement. Bon, bah, ça va aller. On va s'arrêter dormir aussi, tranquillement. Hein? Tandis, tiens, ça, hop. Oh, bah, là, excuse-moi. J'ai juste posé la bouteille d'eau. Ça va aller? Tiens, prends un peu l'air. Merde. On peut pas ouvrir sa fenêtre? Ah non. Ouais. Il dit, va falloir qu'on s'arrête, qu'il dit, parce que je suis fatigué, qu'il me dit. Il me dit, je dormirai bien un peu. Eh ben, oui. Ouais, ouais, on va y aller. On va y aller, on va y aller. Oh, qu'est-ce qu'il avance pas, lui. Eh, regarde ça, pépé, putain, j'ai plus d'essence. On a plus d'essence, mon vieux. Va falloir qu'on s'arrête faire le plein, alors. Je crois qu'on va tomber en panne sèche. Ça va être la rate totale. Où ça va, on arrive en ville. Je pense que on va avoir assez d'essence. Je vais essayer de m'arrêter faire le plein. Là-bas, je vais sûrement m'arrêter un moment. Je vais y vendre des trucs. Où est-ce que je pourrais faire le plein? Oh putain! Ah bah oui, il me dit, regarde mon vieux, on est en panne sèche, qu'il me dit. Avec tes conneries. Ah bah oui, tiens, je vais ouvrir le moteur. Hop, voilà, ça. J'arrive, j'arrive. J'arrive. Putain, on a plus d'essence, mon vieux. Ah merde, putain, faut que je répare la bagnole. Ah bah oui. Eh oui, 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 qui me dit, regarde comment que tu conduis, comme un âne, mon vieux, qui me dit, bah oui. Bah oui, je sais bien. Je sais bien, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est pas toujours évident, hein? Allez, hop, répare-moi ça. Oh non! Merde! Putain, j'ai tout démonté. Merde, j'ai plus de répar-kit. Attends, c'est délire parce que j'ai démonté le moteur, là. Comment que... Putain, c'est pas vrai, ça. Comment que je le remonte? Voilà, ça. Vas-y, viens là. Voilà, impeccable. Je pense que je vais faire le plein. Encore heureux que j'ai pris de l'essence avec moi. Hein? Quand même, hein? On va faire un peu le plein. Allez, vas-y. Eh, t'as mon vieux, qu'est-ce qu'elle boit? Qu'est-ce qu'elle boit, la Sincamine? Je délire. Ça, c'est bon. Hop, impeccable. Allez, vas-y, let's go. C'est parti, j'ai fait un peu de mécanique, j'ai fait le plein. Vas-y. Et qu'y a donc un peu à la radio, là? Hein? Ah, bah, elle est pas mal, celle-là. J'aime bien. Ce qu'on va faire... Bah, c'est pas vrai qu'elle était là, la pompe à essence, non? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter ici. Je vais aller y vendre des trucs. Voilà. Bouge pas, pépé. J'arrive. Surtout, ne bouge pas. Je vais aller y vendre mes roues. Oh, putain, gars, oui, j'en ai mis 4, hein. J'ai mis 4 roues de secours dans le coffre. Ce délire. Bonjour. Est-ce que vous... salut. Est-ce que vous rachetez des roues de secours? Est-ce que ça vous intéresse? Non? Ça t'intéresse pas? Regarde. Merde, putain. C'est marqué, là. Celle 20 by 50, là. Ah, bah dégage. Non? Il en a rien à foutre. Il en a absolument rien à foutre. Bon, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que... t'inquiète pas. Il en a rien à foutre, pépé de nos roues. Il en a rien à foutre. Ce qu'on va faire, c'est que je vais poser tout ça. Bah, pourquoi tu te mets pas dans le coffre? T'avais réussi tout à l'heure. Non? Sérieux? Tu veux plus? Oh, c'est pas vrai, ça. Mon dieu. Tiens, pépé, prends ça, mon vieux. Prends la roue. Il en veut pas. Ça l'intéresse pas, ce qu'on vend. Eh bah, écoute, putain. Merde, j'ai laissé le coffre ouvert. Ah, oh, c'est pas vrai, ça. J'arrive. Bah, allez, hop. Aventi. Oh, putain. Attends, je vais faire une petite marche arrière, là. Hop là. Hop, 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 hop. Voilà. Un petit demi-tour.
En un temps, ça passe ou non, ça passe pas. On va le faire en deux temps. Allez hop, c'est parti. Putain, par contre, elle me fait chier la bouteille d'eau. Tiens, prends ça. Faudrait que je trouve un magasin. Il voit rien là-dedans, là. Non, il dit, oh putain, il dit, ça fait chier. Il dit, je dormirai bien un peu quand même, qu'il me dit. Eh oui. Ouais, oui, bah oui, je sais bien. Moi aussi. Il me dit, tiens, et regarde donc, il me dit. C'est pas bien ici, qu'il me dit. Ah oui. Ouais, oui, c'est peut-être bien, vas-y. Bon, t'as peut-être raison, on va y aller. Écoutez, je pense qu'on va l'écouter. On va aller ici. Allez, vas-y, fais péter. Hop, vas-y. Là, on va se garer bien comme il faut. Oh, putain, gars. J'espère qu'on va rien nous voler. Hein? Voilà. On va éteindre ça. Il me dit, oui, ok, c'est parti, qu'il me dit. Eh ben, vas-y, allez, viens. Let's go. Vas-y. Ah, bah, c'est sympatoche ici. Un petit motel. Ok, il est minuit. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue à l'hôtel, qu'il me dit. Que puis-je faire pour vous? Ben, on aimerait bien prendre une chambre, qu'il me dit. Vous êtes venu seul? Non. Je suis avec mon pépé. Il peine un peu, mais il arrive. Il est là? Oui, il est là. Il arrive. C'est 20 balles pour une chambre. Eh ben, mon vieux. Hein? Regarde là, là, sans yeux, là. Lisa, qu'elle s'appelle. Hein? Pépé, il est où le porte-monnaie? Oh, putain, c'est pas vrai, ça. Je vais le chercher. Il doit être dans la bagnole. Il doit être là, le porte-monnaie. Combien qu'on a sur nous? Putain, on a plus que 22 balles. Bah ouais. Ouais, parce que ma sauvegarde, elle a planté. Quand j'ai acheté les clopes, le pinard et tout ça, j'avais même acheté les knackis à Pépé. Mais par contre, tu vois, ils ont pas oublié de me sauvegarder l'argent que j'avais dépensé. Ah, bonsoir. Vas-y, tiens. Allez, vas-y, prends ça. C'est bon? Vas-y, donne-moi ça. Oui, vas-y, qu'elle me dit. Bon séjour, qu'elle me dit. Et bonne nuit. Ça marche. T'as Pépé. Bien, Pépé. Pas celle-là? Non. Peut-être celle d'à côté, alors. Non plus. D'accord. Peut-être celle-là. Non plus. Ah bah, ah d'accord. Ah bah, c'est à l'étage. Ah bah, tu vois. Il connaît mieux que moi, Pépé. Allez, vas-y. 2B. Ah, 2B. Bah, c'est celle-là. Oh, c'est peut-être parce que j'avais le porte-monnaie dans les mains. Allez, viens, Pépé. C'est parti, mon vieux. Hop, ça. Par contre, on va... Non. Non, il retire pas les clés. Normal. Bon, ok. Bon, bah, écoute, si tu retires pas les clés... C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc ici? Bah, il y a les toilettes. C'est plutôt sympatoche avec une chasse d'eau qui marche pas. Bon, je fouille un peu. Je regarde s'il n'y a pas 2-3 trucs à ramasser. On sait jamais. Bah, dis donc, c'est plutôt simpliste, hein. C'est très simple, hein. Pas de chichi, hein. Hein? Elle est toujours là, la signe Camille, mon vieux? Putain, je la vois pas. Bon, allez. Bonne nuit, Pépé. À demain. Mais on dirait qu'il dort pas, lui. 24 juin 1990, CSFR Hungary. Ok, d'accord. Très bien. Pourquoi pas? Et nous nous réveillons de bon matin et Pépé a déjà disparu. Ok, d'accord. Il est peut-être aux toilettes, non? Bon, bah, à mon avis, il doit être en train de prendre le petit déjeuner, certainement. Non? On peut pas prendre les clés? Bon, écoutez, on va descendre, tranquillement. Bonsoir, bonsoir. Vous avez bien dormi, qu'elle me dit? Oui, ça va aller, oui. Vous avez pas eu mon Pépé, des fois, non? Pépé? Ah oh bah, tu regardes donc. Mais il est déjà dans la bagnole. Eh bah, impeccable. Dis-moi pas qu'on s'est fait dépouiller une fois de plus. On s'est fait dépouiller. J'avais une roue de secours, là, dans la bagnole. Avec une bouteille de flotte. On va les retrouver, Pépé, t'inquiète pas. On les retrouvera, les voleurs. On a combien sur nous? Eh bah, mon vieux, on a 1 $. Hein? On va pas aller loin avec 1 $, hein. Bon, écoute, hein. J'ai remis ça en place. Ça risque d'être chaud, Pépé. Oh, putain, attention, mon vieux, je recule, c'est parti. Ouh, là-bas, CSFR. Tiens, on va aller là-bas. Hop. Allez, on va tourner bien gentiment. Hop. Ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe. Impeccable. À peine à braquer quand même la signe Camille, hein. Alors, on va aller là-bas. Bonsoir, bonsoir. CSFR, Pravda, Vitezé. Bonsoir, mon petit monsieur. Ce serait pour prendre l'autoroute, s'il vous plaît. Papier, s'il vous plaît. Oui. Ah, attendez, 10 minutes. Bonsoir. Je peux savoir à qui j'ai affaire? Non? Vas-y. Alors, ok, c'est bon, vous pouvez y aller. Bonne vacances, qu'il me dit. Eh ben, merci. Merci. N'oubliez pas d'attacher votre ceinture de sécurité et bonne route à vous. Eh bien, Oui, merci, c'est parti.
Ouais, ça y est, c'est bon, on peut y aller. D'accord. Route 280 km, machin. Écoutez, je pense que on va prendre cette route-là. Hein. On va prendre celle qui est ensoleillée. Hein. Voilà. 280 km, par contre, j'ai plus beaucoup d'essence, moi. Ça va être chaud, pépé. Hein. Ça va être chaud, 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 chaud. Hein. Allez, on a plus que la moitié du plein. Aventi, c'est parti. Bonnes vacances. Merci. Ça marche. Bon, bah, pépé. J'allume la radio, on a de la route à faire. Allez, c'est parti. Elle est pas mal celle-là en plus. J'aime bien moi. Il est 8h30 du matin. Regardez comment que le temps passe hyper vite. Oh putain. Le temps passe aussi vite que mon essence descend. Waouh, regardez ça. C'est plutôt de toute beauté par ici. Oh, un rond-point. Ouais, yeah, yeah. En général, j'aime pas trop les ronds-points dans le jeu parce que c'est assez chaud. Ça passe, il fait fais attention aux ronds-points, qui me dit. Oui, bah, ça va le faire. Attention, qui me dit, il y a un virage. Oui, oui, il me dit, regarde comment que c'est joli les bords des routes. Eh ben oui, c'est vrai que c'est pas vilain, pépé. T'as raison. Il me dit, fais attention, il y a un virage, qui me dit. Il me dit surtout, attention de pas taper de chevreuil. Il me dit, tu sais que ça traîne dans les zones boisées comme ça. Et ouais. Ouh, il y a un chemin. Qu'est-ce qu'on fait, pépé? On passe à droite ou... Bon, écoute, j'ai bien envie de prendre le chemin. Hein? Ouais, bon, bah, écoute. On va prendre le chemin. Il me dit, bah, fais comme tu veux, il me dit. Eh ben, ouais, je vais prendre le chemin. Ce serait bien qu'on rencontre une petite voiture sur la route, là. Histoire de fouiller ce qu'il y a dedans. Il me dit, oh, putain, ça secoue. Il me dit, oh, t'es sûr que ça va passer, là, qu'il me dit? Ouais, je pense quand même. La Sinkamille, attends. Hein? Elle en a connu, non? Ça passe. Impeccable. En tout cas, c'est sympa par ici. Ça change un petit peu de décor. C'est franchement bien sympatoche. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On part à gauche ou à droite? Écoutez, je pense qu'il faut pas se poser la question trop longtemps vu l'essence qui nous reste. On va partir à droite. Allez, vas-y, let's go! Aventi! Putain, il me dit, fais attention mon vieux. Il me dit, t'es pas dans ces garalis là. Je délire. Attends. Putain, j'ai l'impression quoi. Ça va, pépé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je délire. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Y a un problème là? Oh! Oh merde! Oh bah tu vois putain j'ai bien fait de pas vendre mes roues de secours moi. Il me dit oui faut que tu changes les roues qu'il me dit. Eh ben mon vieux. Bah tu vois que finalement j'ai pas fait si mal de pas les vendre. Hein? Alors attends ça hop vas-y il y a ici. Voilà. Hop ça on va la mettre là. Bien gentiment juste ici. J'avais pas trois roues de secours moi dans le coffre. Il me semblait que j'avais trois roues de secours non? Bon bah écoutez c'est pas grave. Voilà ce qui compte. C'est que Pépé va bien, tout le monde va bien. Voilà. Par contre, ce qui va pas, c'est qu'on a plus d'essence là. Et je crois que ça va être la panne sèche si on trouve rien. Oh, et puis je crois que je suis retourné en arrière en plus. Le pont, si à droite c'est un petit chemin, c'est que je suis retourné en arrière. Oh putain, à droite c'est un petit chemin. Et merde! On est dans la merde, Pépé. Je suis sur la réserve. Et oui, il me dit, putain, il me dit, on a plus d'essence, mon vieux. Allez là, Sinkamille, emmène-nous jusqu'au prochain... jusqu'à la prochaine station, là, fais quelque chose. Ça va être chaud, chaud, chaud. Oh non! Eh merde, on a plus d'essence. Bon bah écoute, ce que je vais faire... Il me dit qu'on a plus d'essence, qu'il me dit. Oui, bah je sais bien. Ce que je vais faire, c'est que toi, tu vas rester là. Et moi, je vais aller chercher de l'aide. Il me dit bonne chance, qu'il me dit. Eh bah c'est parti, mon vieux. Allez hop. Je sais pas jusqu'où je vais aller comme ça. À tout à l'heure. Tu bouges pas, hein. C'est bon. Allez, c'est parti, mon vieux. Eh ben, mon vieux, je sais pas si c'était spécialement une bonne idée de m'aventurer comme ça, moi. Ce délire. Attends, c'est quoi, ici? Attendez, je crois bien que j'ai vu une maison, là-bas. Oh, regardez. Il y a quelqu'un, ici. En tout cas, il y a un bâtiment. Je pense qu'on va essayer de rentrer dedans. Le problème, c'est que ça fait assez longtemps que je marche, vite fait. Et que je sais plus trop où aller ma bagnole. Moi, je pense qu'elle est tout droit derrière, là. Hein. Ouh, bah, regardez voir. Regardez voir, ici.
Merde, putain, par contre, j'ai pas de sous, moi. J'ai pas de sous. Putain, il y a une station essence ici. Merde. Bonsoir. Salut, salut. Bonsoir. Je viens faire un petit tour, comme ça. Comme ça, tranquillement. Il me dit, passez une bonne journée, qui me dit. Allez-y, cher client, choisissez. Tain, la saloperie, elle a fermé la barrière. Putain, merde, elle a fermé la barrière. Putain, je suis dans la merde. Guten Morgen, oui. Écoutez, vous croyez que si je prends un bidon d'essence, j'ai le temps de sortir tranquillement? Attention, c'est parti, mon vieux. Vas-y. Pff, c'est mort. Y a pas moyen de cheater le jeu sinon là, non? Bon, bah écoutez, je crois que je suis officiellement dans la merde. J'ai perdu la bagnole, j'ai perdu Pépé, je suis à 150 km de la 5 à 1000. Je sais même plus si c'est à droite, à gauche, devant, derrière. Franchement, j'en sais rien. Et voilà, c'est bien la merde. Bon, écoutez, en tout cas, on va s'arrêter ici pour cet épisode sur Jalopy. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on retente notre chance, qu'on reparte de zéro, parce que là, franchement, ça va pas du tout. Et je vous assure que là, si on repart de zéro, on va se mettre bien. Et là, on ira loin et tout, et je pense qu'il y a moyen de faire un truc bien. Donc, dites-moi ça dans les commentaires, ce que vous en pensez. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde, bye! Pépé. Ouais.